Antoine Robitaille, bon midi à vous deux. Bonjour Raymond. Hello. On a très hâte de vous entendre, évidemment, sur le bilan des négociations du secteur public qui a été dressé ce matin à Québec par le Front commun syndical. Mais d'abord, notre collègue Alain Laforêt, qui a suivi ce point de presse, est avec nous. Alain, les syndicats du Front commun ont ratifié l'entente de principe conclue avec le gouvernement, mais il faut dire qu'il reste quand même encore des ententes sectorielles à négocier, là. Oui, c'est un gros morceau, là, Raymond, qu'on vient de régler. Là. 420 000 travailleurs, plus de 300 syndicats qui viennent d'accepter l'offre du gouvernement. Et c'était des négociations ardues. Là. On est passé de 9 % à 17,4 % d'augmentation de salaire. Ils ont également conservé leur pouvoir d'achat, une clause de 3 % si jamais le coût de la vie est trop élevé. Ils ont fait des concessions, entre autres, au niveau de la santé sur la mobilité, ce que la Fédération interprofessionnelle ne veut pas faire. Il reste 8 syndicats, 7 de la CSQ et 1 de la FTQ, qui n'ont pas réglé encore au niveau des ententes sectorielles. Donc, il y a encore des négociations à venir. Mais ce qu'on a accepté maintenant et le message qu'on envoie au premier ministre, alors qu'on refusait totalement au début de la négociation, c'est de participer à des forums maintenant pour voir comment bonifier, améliorer les services publics. Écoutez. Ce serait de les laisser tomber que de dire qu'une fois que la convention collective est signée, qu'on a fait des gains, qu'on a eu cette impulsion-là, qu'on les laisserait tomber. Si le gouvernement était sincère dans sa volonté d'entendre davantage nos préoccupations et de connaître mieux la réalité de leurs employés, bien, c'est le temps-là. Et par ailleurs, Alain, les syndicats disent qu'ils ne trouvent pas drôle que le gouvernement leur fasse porter le chapeau du déficit. Bien, on le sait, là. Le premier ministre l'a répété deux fois plutôt qu'une depuis le début de la semaine, c'est-à-dire qu'il y aura un déficit plus important. On avait prévu cette année 4 milliards, mais on s'attend que ce soit beaucoup plus gros que ça, puisqu'on le souligne à grands traits. Et on laisse entendre que, évidemment, l'entente signée avec les syndicats coûte très cher. Là. La masse salariale du gouvernement, pour le répéter de nouveau, va passer de 60 à 71 milliards sur un budget de dépenses de 115 milliards. Écoutez la réaction des syndicats qui visent le gouvernement. Était maladroit. Les discussions qu'on a eues avec la présidente du Conseil du Trésor ont été, bon, un petit peu dures au début avec les forums, mais par la suite, lorsqu'on a commencé, nous quatre, à avoir un dialogue avec la négociatrice en chef et la présidente du Conseil du Trésor, minimalement, on était capable d'établir un dialogue, mais il y a eu de la friture sur la ligne tout le temps. Là. Moi, je vous dis, Nordvolt, un toit de stade, une game des Kings, c'est pas plus, c'est pas moins que ce qu'on nous a donné, là. C'est des vieilles pratiques, ça, des gouvernements, de casser du sucre sur le dos de leurs employés. On dirait que les gouvernements, qui sont aussi des employeurs, aiment ça utiliser leur main-d'œuvre pour leur mettre la responsabilité des budgets puis des résultats, si ça va bien, si ça va pas bien. C'est des vieilles pratiques. Je pense qu'il est temps qu'on évolue comme société. Les négociations vont reprendre le 31 mars 2028. À suivre donc. Merci beaucoup, Alain. Et on poursuit la...